Normalement, cette année, vous devez abriter un grand événement sur votre sol ou c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Restons en prière pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Restons en prière pour la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, la main de Dieu qui est sur lui, nous fait aller de surprise en surprise. Il y a eu l'interpellation d'un cadre, d'un parti qui a été constitué nouvellement. L'interpellation, je pense, de leur secrétaire général. C'est ça? Hein? Ok. Il y aura l'interpellation d'un autre de leur cadre. Et ça, ça risque d'embraser. Ça risque d'embraser. Ce que je vous dis, ayez l'œil ouvert et priez pour ça. Je peux nommer ce cadre, je ne le nomme pas. Quand on parle pour les avertir, ils sont les premiers à insulter les gens. Quand on parle pour les prévenir, ils sont les premiers à insulter les gens. Donc, je préfère juste m'arrêter là. Pour dire à leur autre cadre, de faire très attention. Parce que même lui, il est dans le collimateur. Vous voulez peut-être plus d'indices? Je ne vous le donne pas. Mais que l'intelligence et la sagesse de Dieu vous donnent de comprendre. Il est dans leur collimateur. Il est dans le collimateur des puissances qui règnent sur cette nation. L'heure du Seigneur est arrivée. Pour ce qui vous avait été annoncé depuis, le déluge qui devait s'abattre, qui devait passer, l'heure est arrivée. Je répète, vous aurez un signe. Regardez du côté de la maison du PDCI-RDA. Quand vous verrez ce signe, que chacun de vous prenne garde d'être entré dans l'arche. Un autre fils va entrer. Il va entrer. Il va entrer. C'est déjà scellé. Il va entrer. Tous ceux qui craignent l'Éternel mangeront les meilleures productions de cette nation. La corruption spirituelle, la corruption prophétique, la corruption dans tous les domaines de notre nation quittera ce pays et la Côte d'Ivoire ne vivra que pour Jésus, le réveil qui lui a été promis. En Côte d'Ivoire, il n'y aura que des big churches.
J'ai vu des églises de plus de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 membres. Des églises, je vous dis la vérité. Un grand réveil nous attend. Spirituellement, la Côte d'Ivoire a été attaquée à cause de ce qu'elle porte en son sein. En réalité, ce n'est pas à cause des ressources spirituelles de la Côte d'Ivoire qu'elle a été attaquée. Non. La Côte d'Ivoire a été attaquée à cause de ce qu'elle porte spirituellement. Et le dernier réveil qui va partir de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. J'étais devant le Seigneur. J'étais devant le Seigneur dans un long jeûne en train de prier. Et Dieu me montre le globe. Le globe tournait. Et il braque sur l'Afrique. Et sur l'Afrique, Dieu pointe une lumière sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, le dernier réveil, après quoi l'Antichrist va se manifester, viendra de la Côte d'Ivoire. Notez ce que je vous ai dit. Le dernier réveil, après quoi l'Antichrist va se manifester à l'œil nu, viendra de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle, depuis 1999, depuis l'époque du prophète Kakou, il y a eu la première entité satanique, la Rose-Croix, qui a combattu l'Église. Après la Rose-Croix, maintenant on est passé à un niveau plus élevé, la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils savent ce qui doit sortir de la Côte d'Ivoire. Donc Satan a dépêché ses agents qui se sont assis sur ce pays. Qui soufflent un vent de peur, un vent de crainte pour que les Ivoiriens ne s'élèvent pas. Pour qu'il n'y ait aucune réclamation, aucune manifestation, pour qu'il n'y ait rien. Or, personne ne peut assujettir éternellement quelqu'un que Dieu a marqué pour accomplir une mission bien précise. J'avais dit quelque chose, les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Et cela concernait l'ordre indirect. L'ordre indirect, je vous avais annoncé pour vous dire, il y a quelque chose qui se prépare au niveau du Soudan. Qui se rappelle? Quels sont tous ceux qui se rappellent? Actuellement, qu'est-ce qui se passe au Soudan? Hein? En plein direct, j'ai marqué une pause. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Qu'est-ce que je vois? J'ai vu le Soudan. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire là, Dieu a parlé en parabole pour ne pas, je vous l'ai dit, Dieu peut prendre l'aboutissement de quelque chose, il l'amène dans le présent pour te le dire, mais sans te dire le tracé que cela va connaître. Quelque chose où on ne te dit pas son développement là. Comment tu peux combattre ça? C'est pourquoi parfois il faut être sage dans certaines choses. Parce que quand un ennemi que tu combats connaît tout le calendrier, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire pour éviter. Parce que n'oubliez pas, dans le monde de la prophétie, il y a des prophéties qui sont malléables. C'est-à-dire, il y a des prophéties sur lesquelles on peut faire certains rituels pour les annuler. L'horizon n'est pas bon. L'horizon n'est pas bon. Je répète, l'horizon n'est pas bon. Je vous parle de l'année où on est là. L'horizon n'est pas bon. Nous sommes dans un semblant de calme avant la grosse tempête. C'est pourquoi chez nous à la maison, nous devons prier pour ce pays. C'est pourquoi nous devons...